so thankful. When I heard the word, when the Holy Spirit was telling me that you know that most of the believers, they have no father. Believers without father, I was asking God, say yes. He said, most of the believers, they are close. Most of them, they think that they have a father. They have no father. He take me to the book of Malachi 1:6. Many of people that say that, yes, I am serving God. We believe that God is our Father. We believe in Him. We call Him Eternal Rock of Ages. We believe that there is no one like Him. We only call Him Father, Father. But tell them, many believers, they have no father. Malachi 1:6. Chapter 1, verse 6. Amen. A son honors his father. Yes. And a servant his master. Even I be a father, where is my honor? Hallelujah. Praise God. God bless. Yes, stop there. God bless you, sister. God bless you. God bless you. Hallelujah. The Lord is wonderful. Our title, Believers Without a Father. Believers Le Croyant Sans Père. Believers Without No Father. Le Croyant Sans Père. Hallelujah. Many believers de croyants aujourd'hui think pensent que they have father. Ils ont un père. Father. Mais ils n'ont pas de père. Pray God. Louange à Dieu. That is why sometimes. C'est pourquoi certaines fois we will be praying. On peut être en train de prier. We will be asking ourselves. On peut se demander. God, where are you? Seigneur, où es-tu? God, where are you? Seigneur, où es-tu? Many believers have been asking me. Beaucoup de croyants me posent aujourd'hui la question. Ils disent yes. Ils disent oui. We are a believer. Nous sommes des croyants. Sometimes. Parfois. It look like Jesus is not answering prayer. C'est comme nous ressemble à Jésus en fait en posant des questions. The Holy Spirit told me. Le Saint-Esprit m'a dit. He said yes. Oui. He said many believers. Beaucoup de croyants. They think. Pensent que. They have father. Ils ont un père. They have no father. Mais ils n'ont pas de père. That is why it takes me to Malachi. C'est pourquoi il m'a envoyé. Est-ce qu'il m'a envoyé dans Malachi? The book of Malachi. Le livre de Malachi. The book of Malachi. Le livre de Malachi. 1:6. Malachi chapitre 1 verset 6. 1:6. Malachi chapitre 1 verset 6. He said a son honoreth his father. Un fils honore son père. And a servant his master. Et un serviteur son maître. And if then I have been a father. Si j'étais un where is my honor? Où est l'honneur qui m'est dû? Where is my honor? Où est l'honneur qui m'est dû? And if I be the master, si j'étais un maître, where is my fear? Où est la crainte qu'on a de moi? Where is my fear? Où est la crainte qu'on a de moi? Say the Lord of hosts. Unto you, O priest, that despise not my name. Hallelujah. Hallelujah. And yet he said,
Et dit, where have you despised the name? Praise God. Alléluia. I begin to have the Holy Spirit. I said, teach me this word. J'ai demandé au Saint-Esprit, enseigne-moi. Believers without no father. Les croyants sans père. They have them. Dis-leur. The life that they are living. La vie qu'ils vivent. It has nothing to do with me. N'a rien à voir avec moi. Let them look at the way they are living. Laisse-les regarder la manière dont ils vivent. They have nothing to do with me. Ils ont rien à, cette vie n'a rien à voir avec moi. A father that honors and a son that honors his father. Un fils qui honore son père. He must obey. Doit lui obéir. He must obey. Doit lui obéir. I begin to ask. Et j'ai commencé à demander. He sent me again. Il m'a envoyé le Saint-Esprit. He said, anyone that I call. Tu dis toute personne que j'appelle. Anyone that has decided to be my son. Toute personne qui a décidé d'être mon fils. I've decided to bless them. J'ai décidé de le bénir. I've decided to destroy the devourer for the sin. J'ai décidé de détruire le dévoreur. So he sent me to the Malachi. Il m'a envoyé dans Malachi. One, the same one. Le même chapitre 1. Alléluia. Amen. Amen. Non, Malachi 3 again. Malachi 3, pardon. Verset 10. It says, bring here all the tithe into my storehouse. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. That ye may be a meat in my house. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Approve me. Et mettez-moi de sorte à l'épreuve. Prove me. Hear me, say the Lord of hosts. If I will not open you the windows of heaven, et vous verrez que si je n'ouvre pas pour vous les and pour us my blessing, je ne réponds pas sur vous la bénédiction. That there shall not be a room enough to receive it. Pour vous, je bénirai celui qui dévore. I will remove the devourer for your sake. Et ne vous détruira plus les fruits de and votre I shall destroy the. Not destroy the fruit of your ground. Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes. Neither toutes les nations shall your vine cast a fruit before the vine in the field, saith the Lord of hosts. I was asking God. Je lui demandais à Dieu. I said, can you explain me about this verse? Est-ce que tu peux m'expliquer ce verset? He said yes. Il m'a dit oui. He said, I've decided. J'ai décidé. To bless my children. De bénir mes enfants. I've decided. J'ai décidé. To destroy the devourer. De détruire le devourer. He said, many people today. Il dit beaucoup de personnes. They even prefer. To look. Regarder. Or to look for. Rechercher. An abolist. Hallelujah. Amen. Praise God. Hallelujah. They prefer. Ils préfèrent.